Salut à tous! Aujourd'hui, on se lance dans un nouveau test de kit pour fabriquer des bougies. J'ai trouvé ce kit chez Action pour quelques euros et je me demandais si ça fonctionnait vraiment bien. À l'intérieur, il y a un paquet de cire, deux moules, du colorant pour bougies, des petits bâtonnets pour tenir les mèches et un mode d'emploi. Alors, je vous propose qu'on essaye ça ensemble et puis on voit ce que ça donne. La première étape, c'est de verser la cire dans une petite casserole et de la faire fondre au bain-marie. Moi, j'utilise une petite machine à chauffer pour cosmétiques que j'avais achetée chez Aromazone il y a très longtemps. Sinon, vous pouvez simplement faire fondre la cire dans une casserole au bain-marie classique. On attend ensuite que la cire devienne bien transparente et il faut bien remuer de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit complètement fondue. Une fois la cire fondue, on prend le colorant fourni. Ce sont des petites paillettes, donc c'est super simple à utiliser. On les verse dans la cire et on remue. Alors là, ça paraît très rouge, mais ne vous inquiétez pas, une fois la cire refroidie, la couleur s'éclaircit. C'est toujours un petit peu une surprise de voir quelle couleur sortira exactement. Ensuite, on prend un petit bâtonnet pour fixer la mèche. Moi, je verse un peu de cire dans le moule tout en bas, puis j'y glisse la mèche pour qu'elle tienne bien. Et là, vous voyez déjà, hein, la cire, elle commence à s'éclaircir. Ensuite, on verse le reste de la cire liquide jusqu'en haut du moule et on attend que ça sèche. C'est tout. J'ai pris un autre moule avec un colorant plus foncé et j'ai fait exactement les mêmes étapes. Après séchage, on démoule tout simplement. J'ai quelques petites bulles sur la surface, peut-être que j'ai trop remué ou versé la cire trop chaude. Franchement, je suis pas sûre, mais ça arrive vraiment souvent avec mes bougies, donc je pense pas que ce soit lié à la cire de Action. En tout cas, le démoulage est super facile, les moules sont vraiment bien conçus et les couleurs sont super jolies. Si vous avez envie de tester la fabrication de bougies vous-même, franchement, pour quelques euros, vous pouvez vous amuser et obtenir un joli résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez le crafting et les projets DIY, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour soutenir ma petite chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets.